Myriam Makeba, elle représente le peuple noir en Amérique, le peuple noir aux îles de Caraïbes, le peuple noir en Amérique du Sud, le peuple noir en Afrique, surtout l'Afrique du Sud, notre pays, et Namibia, qui ne sont pas libres d'abord. Alors pour moi, elle n'est pas seulement une chanteuse internationale. Elle n'est pas seulement ma mère à moi-même, mais elle est la mère de l'Afrique. Conakry, un matin de février. Cette femme, cette Africaine qui quitte le marché, toute la population la connaît. Dans la capitale guinéenne, comme dans tout le pays, comme dans l'Afrique entière, on sait qui est Myriam Makeba, Mama Makeba, Mama Africa. Depuis 12 ans, elle, l'exilée, elle a choisi de vivre ici, chassée de son pays natal, l'Afrique du Sud, en 1959. Elle rejoint d'abord ses frères noirs des États-Unis. Et c'est dans l'exil, alors qu'elle devient rapidement une star internationale, qu'elle prend vraiment conscience de sa mission d'artiste. Travailler à la libération de l'Afrique. Chanter partout la souffrance du peuple noir et son aspiration à la liberté. Associée à tous les combats de l'indépendance, elle, la sans-patrie, se voit décerner la citoyenneté d'une dizaine de pays africains. On la rappelle sur la terre d'Afrique où d'ailleurs elle souhaite elle-même, depuis longtemps, revenir établir sa résidence au milieu de ses frères. C'est en 1968 qu'elle se fixe en Guinée. Dans ce pays qui avait dit un nom historique à la communauté franco-africaine 10 ans auparavant et relevé le défi de l'indépendance immédiate. Sékou Touré avait déclaré « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». «
Oya ko ka kite Petit bonsoir tiki biso ye Paningana panabeya Nampasi nanenga amawa Wo 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 Oya 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 Je suis d'une famille très pauvre, on n'avait rien. Mon père est décédé quand j'avais 6 ans. On est 6 et j'étais la dernière des enfants. Et quand j'avais 6 ans, mon père est décédé et ma maman travaillait comme une bonne dans les familles de blancs pour pouvoir nous envoyer à l'école. Je vois que mes petits-enfants ont la chance parce qu'ils ont une belle école. À l'époque, à notre époque, nous étions toujours dehors, là où ils jouaient tout à l'heure, et assises par terre parce qu'il n'y avait pas de classe pour nous. Et nous étions souvent plus de 200 enfants pour une seule professeure. Et ce qui était tout très difficile, même pour les professeurs, pour pouvoir suivre tous les enfants. Et parce que ma maman était fatiguée, j'ai cessé d'aller à l'école pour pouvoir l'aider à travailler pour notre famille. Et vous avez travaillé donc très jeune? Oui. Quand j'étais petite, comme mes petits-enfants, j'aimais beaucoup la musique. Et mon grand frère jouait au piano. Quelles étaient les chansons que vous chantiez justement quand vous étiez petite fille? J'ai chanté beaucoup de chansons traditionnelles et les chansons donc mon frère m'apprenait en anglais. Chansons comme My Mama Done Told Me When I Was in Pigtails, que je peux bien mieux chanter aujourd'hui, mais à l'époque, je chantais seulement sans savoir ce que je disais. Et j'ai chanté beaucoup de chansons que ma maman avait beaucoup aimées parce qu'elle chantait très bien, ma mère. Et les chansons traditionnelles comme « Wameme zungoma, tiakula jinanena » Wameme zungoma babo tia kula dina ai dine toko dine etlaba tia kula dina nina dine toko dine etlaba tia kula dina nina. Il y avait des chansons des enfants comme dinom kokozo bongo dau piwangu bao dinom kokozo bongo dau piwangu bao. Il y a une autre qu'elle chante, c'est Roi. Zanzi a appris ses chansons. Ziroa roa ukutini kiruti banabaka. Ziroa roa ukutini kiruti banabaka. Mampa burekeka, mabulekeka. Mampa burekeka, mabulekeka. Wana walila woho, walila. Wana walila woho, walila. Mampa burekeka, mabulekeka. Mampa burekeka, mabulekeka. Depuis ma jeunesse, j'ai chanté à l'école, à l'église, pour pouvoir avoir de l'argent pour aider nos peuples dans notre communauté. Comme vous le savez, les Noirs habitent à part et les Blancs habitent à part. Et depuis lors, j'étais toujours prête à aller chanter où on me demande de chanter pour des raisons sociales dans notre société. Et c'est ainsi que j'ai pris conscience de beaucoup de choses parce que pendant ce temps, quand j'ai chanté par exemple où l'ANC organisait quelque chose, j'ai rencontré des hommes comme le Nelson Mandela et j'étais très jeune, je ne parlais pas mais j'ai toujours écouté de quoi ils parlaient et tout ça.
Et c'est ainsi que je me suis beaucoup intéressée dans la vie sociale. Vous avez même chanté une chanson où il est question de Nelson Mandela. Oui, oui. C'est une chanson que j'ai enregistrée avec Harry Belafonte. Je pense que les enfants le connaissent même. Les enfants connaissent. Bahleli bonke kwanongongo, bahleli bonke etilongweni, bahleli bonke kwanongongo, halal nanku Mandela nanku etilongweni nanku Mandela nanku etilongweni iniwe ma Afrika ayu zote nuzeteni iniwe ma Afrika ayu zote nuzeteni bahleli bonke etilongweni bahleli bonke kwanongongo. Faut parler de Patrice Lumumba, ce n'est pas un hasard si votre petit-fils s'appelle Lumumba. Oui, Lumumba est né le 4 avril 1968 aux États-Unis. J'étais en Californie, sa maman était à New York. On m'a téléphoné pour dire que tu as eu un petit-fils et sa maman lui a donné le nom de Lumumba. En même temps, j'ai eu un coup de fil pour m'annoncer que le docteur Martin Luther King est décédé, même jour, même nuit que lui. Et sa maman a décidé de lui donner le nom d'un grand homme en Afrique. Elle a choisi Lumumba. Et sa maman a écrit également une chanson en hommage à Patrice Lumumba. Oui, oui, oui. Elle a écrit ça. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Installée aujourd'hui dans une maison modeste de la banlieue de Conakry, Myriam Makeba nous accueille dans son jardin. Elle va nous parler de cet événement qui déterminera toute sa vie, le tournage clandestin avec le cinéaste américain Lionel Rogosin d'un film contre l'apartheid, Come Back Africa. C'était en 1959. Cela lui vaudra un exil qui dure toujours. Vous aviez l'impression que c'était dangereux de tourner ce film? Je n'avais aucune idée parce que moi, ils sont venus me prendre à 2 heures du matin pour aller dans une église où il y avait des maisons déjà cassées. C'était une école où un prêtre qui s'appelle Father Huddleston et avait son école pour les jeunes garçons. Et ils avaient cassé tout là-bas parce qu'il a refusé d'accepter d'enseigner le Bantu Education. Et
Après, ils l'ont expulsé. Mais pendant qu'il réunissait ses affaires pour partir, ils ont cassé tout. Mais il nous a donné un petit endroit pour tourner la partie que j'ai fait dans le film. Je me rappelle très bien cette séquence dans le film. Il y a une réunion des journalistes. Oui. Et sont les coup, journalistes. Vous arrivez. On me demande de chanter. Et on vous demande de chanter. Vous vous rappelez la chanson qu'on vous demande de chanter? Oui, en oui. La cuchoni langa. La cuchoni langa. Zakubui komo nda kutinga ngawe la kuchoni langa ya kuveli nyanga peshe yako. Kucinga ngawe la kuchoni langa. Hey, give us another one. Give us another one. Hôte d'honneur de la Guinée, citoyenne de ce pays, associée officiellement au gouvernement comme conseillère culturelle, Myriam Makeba possède aussi une propriété à Dalaba, une petite ville dans les collines du Fouta Djallon, à 350 km de la capitale. Les habitants ont adopté l'ancienne petite servante du Sud, devenue l'impératrice de la chanson africaine, et qui soutient aujourd'hui le comité des femmes de Dalaba, qui apporte une aide financière à la maternité, et loin des grandes scènes et des meetings, retrouve la simplicité de la vie domestique. C'est ici que j'ai choisi en 1967, quand je suis nouvellement venue en Guinée. Et j'ai fait le tour du pays avec le président et beaucoup de membres du gouvernement parce qu'il faisait en même temps sa campagne pour encore la présidence.
Il devait passer dans toutes les régions. Et j'ai fait plusieurs régions avec le président. Après, il m'a dit, vous voulez rester en Guinée, où vous voulez rester? J'ai dit, je vais rester à Dalaba. Ça me rappelait un peu de beaucoup d'endroits en Afrique du Sud, et même au Swaziland où ma mère est née. Moi, j'aime pas tellement les grandes villes. Ça me fatigue, peut-être parce que je suis toujours avec les gens quand je fais des spectacles. Quand je ne travaille pas, j'aime toujours me retirer et j'ai trouvé qu'ici c'était vraiment calme et c'était très bien. Et le peuple d'ici aussi m'ont tellement bien reçu, ils étaient très contents. C'est vous qui avez... J'ai choisi ici, ils m'ont nommé et citoyen d'honneur de Dalaba. Ce sont les derniers artisans paysans de Dalaba qui ont décoré l'intérieur de la case de Myriam Makeba. Motif traditionnel du fouta de Jalon contre les murs et plafond en paille tressée. Le président Sékou Touré, pour vous, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans votre vie. Je peux dire que dans la vie de toute l'Afrique et toute africaine, parce que le président Sékou Touré nous dit toujours que bien que la Guinée est indépendante, mais tant qu'il y a un maître de la terre africaine qui n'est pas libre, la Guinée n'est pas libre. Ils nous disent toujours que toute Africaine qui vient en Guinée sont guinéennes. PDG Arthur Ndimungu. PDG Arthur Ndimungu. Tu manange futa tandare guinemene gyaubeng. Tu malawela bendare guinemene gyaubeng. Atu magama gyamendare guinemene gyaubeng. Tu mangdiyang sajendare guinemene gyaubeng. O PDG Arthur Ndimungu. Lady guinedeng. Pelle guinedeng. Mau begina deng, rau begina deng, kolle gina deng, artiri bibe mundu, OPDG artiri ndi mungu. Je ne peux plus continuer, parce que papa Kouyaté n'est pas là. En 57, Myriam Makeba est soliste dans la revue musicale Jazz et Vaudeville Africain. Elle devient rapidement célèbre grâce à ses tournées en Afrique et à ses disques. Après Comeback Africa, elle se retrouve à Londres, apatride et sans musicien. En Angleterre, il y a eu une visite de Harry Belafonte. Il a été très ému par le film. Et j'ai réussi à avoir un visa pour aller aux États-Unis. Je lui ai écrit, je lui ai télégraphié, téléphoné pour dire que j'arrive. Et il a mis beaucoup de gens qui m'attendaient pour my arrival in New York. Et il y avait Lionel Rogosin qui avait fait le film aussi, qui était intéressé. Et je suis arrivée, j'ai resté. Il m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, je n'ai pas de musique ni rien, pas de musicien. Il a arrangé pour avoir trois musiciens pour moi. Et il a mis un arrangeur avec moi qui... J'ai chanté tout ce que je connais, le monsieur noté, oui, pour que les musiciens puissent avoir les accords et tout. Et j'ai répété avec les musiciens deux jours. Troisième jour, je suis allée en Californie où j'ai fait le show de Steve Allen. J'ai chanté une seule chanson pendant 3 minutes. Et ça m'a lancée dans toutes les États-Unis
Parce que ça, j'ai fait ça en Californie. Et la même nuit, j'ai pris l'avion. Je suis arrivée à New York le lendemain, le matin. Et je devais chanter au Village Vanguard la même soirée. Et Belafonte avait invité tous les grands artistes des États-Unis, les Duke Ellington, les Count Basie, les Miles Davis, Nina Simone, les Bing Crosby, les Shirley MacLaine, les Shelley Winters, les, comment on dit ça, Sidney Poitier, tout le monde était là. Et pour mon premier, ma première présentation au Village Vanguard. Et c'était ainsi que même toute la presse américaine presque était là. Newsweek, Look Magazine, Time Magazine, New York Times, tout le monde était là. Et ils ont dit ce qu'ils pensaient de ma présentation. J'avais que 5 chansons. J'ai chanté 4 chansons. Après, j'ai fait que c'est fini. Ils applaudissent. Je viens, je chante le 5e. Parce que c'est tout ce que les musiciens pouvaient retenir. Et dans un délai très, comment dire, court. Oui. Et je devais rester 4 semaines aux États-Unis, mais je suis restée 10 ans. Et c'est à cause des problèmes que j'ai eu à cause du film Come Back Africa et certaines interviews que j'ai données, que je n'ai pas pu retourner chez moi. Oui, mais vous auriez... Mais je voudrais retourner. When I left, I had no intention of staying outside. Mais vous auriez pu rester aux États-Unis où vous aviez la gloire, la vie facile. Je pense que la vie facile, je la trouve ici. Parce qu'elle est simple. Le show de Steve Allen et la soirée au Village Vanguard en novembre 59 ont projeté Myriam Makeba au premier rang du spectacle américain. Dès lors, elle devient une vedette qui chante à la TV, passe dans les plus importants nightclubs des USA, à Carnegie Hall, au Lincoln Center, à Los Angeles. Elle s'envole aussi régulièrement dans les pays d'Afrique, où les chefs d'État la reçoivent comme la véritable ambassadrice de la liberté africaine. Le président Kaunda de Zambie écrit en 73 une ode à Makeba, la révolutionnaire qui a chanté les souffrances de l'esclavage et la libération des griffes du colonialisme. On la trouve à Cuba et dans les pays nordiques comme en France, en Suisse, en Allemagne, en Uruguay, au Venezuela, au Chili, en Argentine, aux Bahamas, au Japon. Africains, gouvernants et gouvernés, unité, ne vous divisez pas, Makeba. La chanson qui était la plus populaire partout dans le monde où vous passiez, c'était quoi? Pata Pata. Pata Pata, bien que je n'aime pas Pata Pata. Vous n'aimez pas? C'est une chanson qui n'a aucun sens. Parce que ça parle de danse, une danse qui s'appelle Pata Pata chez nous. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, malheureusement pour moi, ce n'est pas une chanson qui... which has a deep meaning. I would have preferred another song to be popular than Pata Pata. Oui. But then people choose what they want, so. Et vous pouvez quand même nous rappeler comment c'était l'air de Pata Pata? J'avais chanté Pata Pata en 1956 en Afrique du Sud. Elle a eu beaucoup de succès là-bas aussi.
Maintenant, 10 ans après, en 67, j'ai dit, bon, je vais enregistrer cette chanson. Et paf, Patapata est devenue populaire partout. Et encore 10 ans après, il y a Sylvie Vartan qui vient de la reprendre. Et quand je passe à Paris, je le vois à la télé tout le temps. Papi, titi, papi, patapa. J'ai dit, bon, chaque 10 ans maintenant, je vais enregistrer Patapata. Vous nous rappelez l'air de Patapata? Pardon? La musique de Patapata, c'est comment? Sakuku kaza ti bega nanzi patapata. Sakuku kaza ti bega nanzi patapata. Iya mama, iya mama nanzi patapata. Iya mama, iya mama nanzi patapata. Vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu votre âme africaine aux États-Unis en étant obligé de travailler dans le showbiz américain? Oui, je n'ai jamais été showbiz. Je me suis toujours dit que quand je vais chanter dans un pays où personne ne comprend de quoi je parle parce qu'il ne comprend pas la langue, il faut toujours essayer d'apprendre quelque chose qui peuvent les relaxer, parce que les détendre, parce que personne ne peut s'asseoir 2 heures de temps et écouter des chansons dans une langue qu'il ne comprend pas. Oui. Mais j'ai toujours eu la chance de comprendre que sur 3 ou 4 chansons en langue africaine, si c'est de n'importe quel pays en Afrique, mais que les 2 suivants, il faut que je chante en anglais ou en portugais ou quelque chose. Je me suis toujours donné la peine pour apprendre les chansons des autres peuples du monde. On chantait toujours en famille, ma grand-mère, ma mère et moi, les enfants, mes cousines, mes cousins, tout le monde. C'était tout à fait une donne de la famille, la musique, quelque chose qui vit dans le sang. Alors, ma mère, son voyage artistique n'était pas prévu pour la politique, mais c'est son pays, l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique en total qui l'a poussé à lutter. Quand on quitte le pays maintenant et vous êtes dehors et vous regardez maintenant, vous voyez vraiment que c'est... Vous vous demandez même, mais comment j'ai pu vivre comme ça. Et c'est quand j'ai constaté ça, que je me suis dit, je ne peux pas me permettre le luxe d'être artiste Hollywood et penser qu'à moi, que j'ai une lourde responsabilité de parler des problèmes de mon pays, parce que j'avais laissé non seulement ma famille, mais tout le peuple sud-africain qui m'ont, acclamé comme artiste, parce que moi, j'étais bien connue chez moi, en Afrique du Sud et dans d'autres pays en Afrique, avant d'aller en Europe. Et c'est le peuple africain qui m'ont choisi, qui ont dit, Myriam Makeba, vous êtes artiste, vous êtes grande artiste. Je ne pouvais pas ne pas penser à ce peuple. Quand on me demandait comment est la vie en Afrique du Sud, il fallait que je dise la vérité. Et la vérité ne plaisait pas à tout le monde, surtout les autorités sud-africaines. Et surtout quand on est populaire, dès qu'on parle, tout le monde et répète ce qu'on a dit. Et ça les a beaucoup énervés.
Et ça m'a créé beaucoup de problèmes, mais... Vous avez continué quand même. J'ai accepté parce que c'est la vérité. C'est pourquoi quand on me dit que je chante la politique, je dis toujours que je ne chante pas la politique, je chante que la vérité. Here comes a song that was written for us by a young man from South Africa by the name of Katsi Semenya. Katsi tells us about the men and the young boys who are recruited from the villages surrounding the cities of South Africa and from the neighboring countries to come and work in the mines, the gold mines, diamond mines, coal mines, etc., where they work for next to nothing, where they die without compensation to their families while digging gold that is today the determining factor whether men can live or die, in that it's the basis of all currencies of the world, where they dig gold and diamonds which go across the seas to benefit other nations while our children die of kwashioka and so many other things. He calls it Gauteng, which is the true name of the city of Johannesburg. J'avais senti très vite que vous n'étiez pas seulement l'ambassadrice de l'Afrique du Sud, mais un peu de tous les pays africains. J'aime beaucoup l'Afrique et j'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays africains, surtout les pays indépendants. Et j'ai eu la chance de connaître beaucoup les gens qui sont dirigeants de ces pays et de connaître les problèmes de ces pays et le côté positif et négatif et tout ça. Et j'ai été toujours bien reçu dans toute l'Afrique, surtout par le peuple. J'aimerais que vous nous présentiez un peu les cadeaux qui vous ont été faits un peu partout en Afrique. Ce tam-tam vient de quelle région ? De la Tanzanie. Et la Tanzanie, c'est le premier pays par la personne du président Nyerere qui m'a donné mon premier passeport africain, Independent Africa. Ça, c'est
Ça a été offert par l'épouse de l'ambassadeur de Guinée à Maputo. C'est fait en Afrique du Sud. Ça, c'est Fidel Castro qui me l'a offert. Aussi, un passeport cubain. Ce qui fait que je suis même sortie de notre continent pour aller à l'autre côté. J'ai beaucoup de passeports et parmi ces passeports, j'ai mon passeport cubain. Vous avez combien? Huit passeports africains? Neuvième, c'est le cubain. Et les sièges sur lesquels nous sommes assis, c'est aussi un cadeau? C'est le Bénin. Ça a été offert par le président Kérékou. On va peut-être se lever pour les voir. Oui. C'est un instrument qu'on m'a donné au Zaïre, dans la région de Patrice Lumumba. Et je suis allée dans sa famille pour saluer la famille. Et ils m'ont offert ça à son nom. Et parce qu'ils ont dit qu'ils ont toujours entendu que mon petit-fils est nommé après Patrice Lumumba. Et ils m'ont donné ça. C'est un instrument qui appartenait à la famille de Patrice. Oui. Ça a été offert par le président Mobutu en 1972. Ça, c'est un cadeau de Madame Samora Machel avec celui-là et celui-là. La maman et l'enfant. Qui est donc de quelle région de... Maputo, de Mozambique. C'est la femme du président Machel. Ça, c'est le président et Madame Neto qui m'ont donné ça en 1975 quand j'ai visité l'Angola. Made for Mama Miriam Makeba. Ce continent africain, c'est très récent. C'est très récent. Un voyage à New York au mois de décembre 80. J'étais allée chanter à New York tout dernièrement. Et les enfants de Harlem, les tout petits, ont fait ça. Ils sont montés sur scène pour me présenter ça. À Conakry, Miriam Makeba a ouvert récemment un nightclub qui ressemble à tous les nightclubs du monde et où souvent elle reçoit ses amis, comme elle l'a fait au lendemain de son quatrième mariage. Alors ici, dans ce nightclub, on passe naturellement les musiques qu'on passe habituellement dans les nightclubs, mais on passe aussi vos disques, vos chansons. Oui, de temps en temps. C'est pas toujours tous les jours qu'on passe la musique Makeba, parce que ma musique, vraiment, c'est pas pour danser. Et ce que je chante, c'est toujours les chansons à écouter. Il passe les chansons Makeba avant que le public vienne. Après, il passe d'autres, la musique des autres, music from other artists who sing music for dancing. À propos d'ailleurs de vos chansons, vous dites que ce sont des chansons à écouter, je pense bien. Ce sont quelles musiques en général, en dehors des musiques traditionnelles? Qui vous compose vos musiques? Je chante beaucoup de compositions de beaucoup de gens. Je chante les chansons de Georges Ben, qui est brésilien, et les chansons composées par les musiciens comme Hugh Masekela et Kaifa Semenya. Ça, ce sont des musiciens sud-africains. Et je chante beaucoup de chansons composées par beaucoup de gens un peu partout. Et les textes? Moi, c'est le texte d'ailleurs d'abord qui m'intéresse et après la mélodie.
Vous commencez par vous intéresser au texte. Oui. Et au sens de la chanson. Le sens de la chanson. Il y a Bongui, naturellement, qui écrit pour vous. Oui, ben, je chante beaucoup de chansons composées par ma fille, Bongui. Elle écrit la musique et le texte? La musique et le texte. Aluta Continua, par exemple, la chanson Mozambique, c'est Bongui qui l'a composée. West Wind, une chanson aussi que je chante, c'est Bongui qui l'a composée. Et ce sont des chansons qui parlent de notre vie chez nous et un peu partout. Il y a une sorte de dynastie, comme on dit, qui va se créer. Bongui va prendre un peu le relais maintenant, la succession. Et puis vous avez derrière Zanzi et Lumumba qui sont déjà des musiciens. Vous êtes contente de la carrière que mène Bongui en ce moment? Je suis très contente parce qu'elle fait ce qu'elle aime. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le couronnement de votre carrière, ce serait dans le plus bref délai possible de retourner pour vous en Afrique du Sud et de chanter à Johannesburg? Ah, that is my biggest wish. C'est... comment... how do I say that in French? Votre plus grand rêve, votre plus grand souhait. Oui, mon grand souhait, c'est de retourner chez moi. Comment dire, victoriously, and sing before my people sans empêche. C'est pays, comme ça. Dans un pays où en Afrique du Sud libre, oui. Et je sais que ça viendra. My people, open your eyes and answer the call of the drum. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel has won. My brothers and sisters, come on and sing another call of the drum. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel has come. Continua, a luta continua, Mozambique, a luta continua, continua. Oh, Mozambique, a luta continua, continua.